Je suis Sigrid Gérardin, je suis professeure en lycée professionnel sur Paris et je suis syndicaliste. J'ai mené des combats évidemment au ministère de l'Éducation nationale et notamment pour sauver les lycées professionnels qui sont fortement attaqués aujourd'hui par le gouvernement. On veut carrément les transformer en centres de formatage à l'emploi et en même temps transformer notre jeunesse qui sont des élèves de classe populaire en main-d'œuvre gratuite et immédiatement employable. Alors aujourd'hui, l'heure est grave pour l'ensemble des services publics. Ils sont au bord de l'effondrement, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les écoles, les lycées et même les services publics territoriaux. Le gouvernement vient de faire un hold-up démocratique en décidant d'appliquer le pacte budgétaire et en particulier la règle absurde des 3% de dépenses publiques. On est face à un ministre qui vient d'annoncer que sa seule boussole sera de lever le tabou sur les licenciements alors qu'on a besoin de services publics forts. Et nous, ce que nous allons faire, une de nos premières actions politiques sera de gagner l'abrogation de ce pacte budgétaire pour renforcer nos services publics parce qu'ils fabriquent de l'égalité, ils fabriquent de la solidarité et ils fabriquent de la justice sociale.